le regard aussi malicieux et charmeur que lorsqu'elle a reçu le César du meilleur espoir féminin en 1998 des mains de son père Antoine. Emma de Caunes est une femme resplendissante en cette année 2022. Et pour cause. Elle vient de célébrer ses 46 ans mais pas seulement, l'actrice et réalisatrice fête ses 11 années de mariage avec son époux Jamie Hewlett. Un anniversaire qu'elle a marqué sur les réseaux sociaux à travers une tendre publication. Une photo en noir et blanc prise par sa fille Nina, née il y a 19 ans de son couple précédent avec Sinclair. On se souvient du clip « Si c'est bon comme ça », tube chanté par Sinclair. Il avait choisi pour la vidéo musicale qui accompagne son titre de se filmer avec sa bien-aimée de l'époque. Emma de Caunes. Leur union va donner naissance à une fille, Nina, mais le couple divorce après 11 années d'amour. Aujourd'hui, c'est un anniversaire de 11 ans de mariage que marque l'artiste avec son amoureuse anglaise. Elle file en effet le parfait amour avec le dessinateur anglais et membre fondateur du populaire groupe de rock britannique Gorillaz. En couple avec Jamie Hewlett, elle avait dit dans Femme Actuelle être plus posée et moins perdue depuis sa rencontre avec celui qu'elle nomme l'homme de sa vie. Mariée à Saint-Paul-de-Vence en 2011, la belle Emma de Caunes est toujours aux anges. Professionnellement, elle a fait sensation en menant le projet de la série télévisée 9 Meufs. Imaginée avec son co-auteur Diastème. Un an après, le duo s'apprête à remettre le couvert mais du point de vue masculin avec la fiction télévisée baptisée cette fois tout simplement 9 Mecs. On notera au casting la présence d'un certain Antoine de Caunes.